Et salut tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de ce Let's Play sur Resident Evil 4. J'espère que vous allez bien. Donc, la dernière fois, eh bien, nous avons fait pas grand chose. Enfin, si, on a battu un espèce de boss, donc un El Gigante. Et nous sommes arrivés à l'église. Donc, on a pu l'ouvrir et donc retrouver Ashley, que voici la belle, la sublime et l'inutile Ashley en personne, qui ne sert à rien, qui est un vrai boulet. Enfin, je dis ça, mais enfin ouais, vous allez en rendre compte, c'est vraiment un boulet. Oui, c'est de toi que je parle. Ouais, voilà, baisse-toi. Et donc j'ai fait quelque chose, j'ai un petit peu rangé mon inventaire avant de lancer l'enregistrement. Donc, bon, il est toujours aussi blindé et ça, je dis plus rien. Mais je l'ai un petit peu mieux rangé. Il reste plus qu'une case. Voilà, c'est super. Bon, j'ai fait au mieux. Mais bon, je pense qu'on va essayer d'utiliser un peu mieux les grenades pour cet épisode. Et ouais, je pense que ça sera bien. Et donc nous devons nous rendre ça ici. Waouh, c'est un petit peu loin. Je pense pas qu'on va se rendre jusque là non plus, mais on doit se rendre quelque part ici pour aller à la rencontre de nos sauveteurs, puisque normalement un hélicoptère devrait venir nous chercher pour nous tirer de là. Donc bon, on verra si tout va bien se passer. Donc là, on va déjà récupérer ceci. Ouais, alors là, voilà. Là, ici, de l'argent, des munitions de pistolet. Comment va-t-on faire du coup? Non, attendez. 3. Sur sérieux, 3 munitions. Bah écoutez, 3 munitions, je suis pas assez prêt. 3 munitions, ce n'est pas grave. Et ici, de l'argent. Bon, bah c'est bien. Bon bah du coup, on va pouvoir déverrouiller la porte. À mon avis, je pense qu'il y aura beaucoup d'ennemis. Ah d'accord. Ah oui. Ah attendez. Wait. Voilà. Ashley. On va tirer sur ça. Je pense que. Oh. Allez, meurs. Eh, il y en a un autre là-bas. Toi. Tu tombes. Il est sérieux lui? Meurs. Allez, meurs. Voilà. Il m'a fait perdre de la vie. Ah non, mais... Bon, on va faire un truc. On va utiliser la plante. Et on va récupérer les munitions de pistolet. Follow me. Allez, viens, Ashley. Là, on va prendre les munitions. L'argent. C'est marrant parce qu'avec toute cette pluie, j'ai le son un peu fort. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous aussi, vous l'entendez, c'est vraiment très très fort. Il n'y a pas de nid, non. Là-bas, on dirait que les objets sont réapparus. Ouais, tant mieux. Hein. Ah, ça se calme un petit peu ici. Hop, je vais prendre ça. De l'argent, merci. Non mais bon, déjà on va recharger. Il me semble que j'ai cru voir un truc là-bas tout à l'heure. Non,
à Bayonne. Allez, vise une spinelle. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il va y avoir du coup? De l'argent. Bon, bah c'est bien. Ça fait toujours plaisir, de l'argent. Alors, là, je pense qu'il y a le marchand. Ouais, c'était là le marchand. Ouais, le marchand. Alors, est-ce que t'as des nouveaux trucs? Welcome. Got some rare. Nouvelle liste. What are you buying? Le Red 9. Ah. Bon. Mais je vais pas le prendre. non, je vais pas le prendre. Alors, vous allez dire, what, un petit peu foufou. C'est le plus puissant, parce que oui, c'est le plus puissant. Mais je ne vais pas le prendre, tout simplement parce qu'il y a un autre pistolet qui m'intéresse. Et bon, on va dire que lui, il est plus puissant en termes de puissance. Mais l'autre, qui arrivera, je pense, plus tard dans le jeu, est aussi puissant, un peu moins, mais est beaucoup plus maniable. A une meilleure maniabilité et une meilleure vitesse de rechargement, donc je prendrai l'autre et non lui. Donc voilà. Et ouais, il y avait aussi la crosse. Bon, alors en plus il prend beaucoup plus de place, mais je ne le prendrai pas. Par contre, optimiser la TMP. Bah la TMP, on va se faire un petit plaisir. On va augmenter sa contenance, augmenter la puissance de feu. Écoutez, on va vendre des objets. Est-ce que j'ai, voilà, spinel. Is that all, stranger? Je veux la vendre. Thank you. Là, ok. Ok, là il manque encore des trucs. Ok, ok, bon. Come back. Donc là on augmente la contenance, comme ça on a gagné des balles de TMP. Et... ouais, je pense que c'est bien. Par contre, j'ai juste regardé un petit truc. Non, pas là. Les trésors. Si on a loupé aucun trésor. Non, on en a loupé aucun. Ici, il y en a deux. Ça tombe bien. Ouais, on en a loupé aucun. C'est bien ça. Ici, il y en a deux. Il y en a un là-bas. Ok, ok, ok. Cool. C'est très bien. C'est très bien. Bon, et parce que on doit encore compléter notre shop et notre masque, donc bah c'est bien. Là, si on fait ça, je pense que ça fait rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. La caisse, diminution de pistolet, très très bien. Et donc, on va retourner au village du coup. Le village, oui, mais par contre, je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup d'ennemis. Enfin, j'espère pas, mais je pense que les ennemis sont de nouveau là. Ok, il y a rien dedans. Ouh, elle m'a fait peur, elle. On va sauvegarder un petit coup. Oui, il y a deux sauvegardes, c'est normal. Parce que j'ai des petits problèmes avec Audacity. Oui, des fois il me fait, il ne répond plus. Donc j'ai un petit peu peur que des fois il efface complètement ma mon enregistrement vocal, donc c'est pour ça que je préfère faire deux sauvegardes, comme ça au cas où je peux revenir en arrière et relancer un enregistrement. On n'est jamais à l'abri d'un petit problème. Oh, ça a bien changé ici avec l'ambiance et tout. Ouh, c'est bien lugubre. Par contre, Ashley, wait, reste ici. Pas y a un ennemi. Allez-y, venez, 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 je vous attends. Hop, elle a pris feu. Par contre, j'ai peur qu'il y en a un qui arrive par derrière. Non, c'est bon. Ah non! Non mais...
Non mais non, je perds de la vie inutilement là. Je fais un peu n'importe quoi. Oh, il y en a un. Juste là. Oh, mais il est sérieux. Oh non. Bon, on va la ramasser après. Déjà, on va changer un peu d'arme. On va prendre... On va prendre la TMP. On va prendre un petit peu la TMP. Toi. Oh oh. Voilà. Ensuite. Y a pas un autre ennemi? Non. On va recharger un petit coup. Ah si si si, elle est là. Alors elle. Alors elle. Vas-y, viens. Allez, meurs. Merci. Voilà, et donc là la grenade, on peut la prendre. Est-ce qu'il y a encore des ennemis? Je ne sais pas. Oh, attention, là il y a un piège. Follow me. Ashley, tu viens avec moi. On va te mettre là. Wait. Voilà. Lui là-bas, vas-y, viens. Tu meurs. Voilà. On a pu. On dirait bien que non. Donc on va aller récupérer la petite caisse que j'ai vue dans dans là. Une plante. Non, pas. J'aimerais bien avoir du soin quand même. J'ai pas envie de gaspiller les deux seuls qui me restent. Follow me. Viens. Toi. Vas-y, toi là-bas. Alors, toi. Bonjour. Au revoir. Hé hé. Je me laisserai pas voir. Là. Bah, là, y'a rien. En face. En face, y'a un truc. Hé hé, bah, y'a rien non plus. Bon, bah. On va récupérer ça. Ah, mais ils sont sérieux? J'ai plus de place. J'ai plus de place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut faire ça. Heureusement que j'ai de bons souvenirs. Hop, on peut les fusionner. Comme ça, on ne perd que 4. Ouais, on va faire ça. Tant pis, je gâche 4 munitions. Mais bon, j'en ai gagné 7. Voilà. Ici, je pense qu'il y a des ennemis. On va cacher Ashley dans la poubelle. Ouais, on peut la cacher. 8. Hide. Ok. Regarde juste. Il n'y a rien là-dedans. Est-ce que il y a quelque chose? Ah, il y a un tonneau. Pitié, une plante. Oh non, des munitions de pistolet. Attendez, 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 attendez. Je sais, je sais. On va... Non. On va pas faire ça. On va faire ça. On va prendre ça. Ça, on va recharger. On va faire ça. Non. Non, c'est pas ça. On va prendre. Et on va faire ça. Tant pis. Je cache une munition. Tant pis, c'est pas grave. Je préfère quand même avoir les trucs de pistolet. Alors, Serra est le troisième groupe. On ignore toujours où se trouve Serra. Il doit probablement utiliser des passages secrets que lui a montré son grand-père, qui chassait dans cette région il y a bien longtemps. Je suis presque sûr qu'il se cache sur notre domaine, quelque part dans la forêt. Si son grand-père était encore vivant, je l'aurais utilisé pour trouver Serra. Mais comment a-t-il su qu'un œuf avait été injecté dans son corps ? De plus, le fait qu'il ait réussi à le retirer avant l'éclosion est préoccupant. L'autre sujet qui m'inquiète, c'est que Louis se soit échappé avec notre bien avant l'arrivée de l'agent américain. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il doit y avoir une autre personne dans le coup. Pour tirer les choses au clair, il faut capturer Louis
et attendre que le médicament cesse de faire effet, puis lui injecter un autre œuf. Cela fait, le coupable passera aux aveux. Personne ne va contrecarrer notre projet. Ceux qui essaieront le paieront très cher. Oh oh. C'est pas très rassurant tout ça. On va re-sauvegarder un petit coup. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? Non, pas ça. On va prendre quelle arme? On va continuer avec le pistolet. Alors, les ennemis. Où êtes-vous? Ah, il y en a un là-bas. Un forastero! Alors, venez. Je vous attends. Venez. Voilà. Lui. Il y en a un deuxième. Il n'y a pas de deuxième. Ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis. Ouais en fait non, je dis rien parce que. Les munitions de trucs, j'aimerais quand même les garder. Alors on va les avoir d'ici. Allez-y, venez. Toi, tu tombes. Vas-y, viens. Oh, salut. Allez-y, venez. Hop, alors changeons un petit peu les armes pour varier. Tout simplement. Oh là 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 là. Quelle arme on va utiliser? On va utiliser juste après. Voilà. Ça, c'est pas très cool. Les plagas, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ouais, les plagas. C'est pas très cool. Oui, Lord Sadler, si tu veux. Y'a plus d'ennemis. C'est assez triste. On va déjà récupérer le tonneau. On va fouiller un petit peu la zone. On ne sait jamais s'il peut y avoir un petit soin ou quoi. C'est pratique. Oh, les ennemis. Oh, il y a encore quelqu'un. Ah, là-bas. Allez-y, venez. Viens des. Ah, ça c'est pas cool. Oh. Oh là là. Ça c'est pas cool. Oh non. Sérieux, ils le font exprès ou quoi? Tempé. Voilà. Bon, bah c'est puissant la tempé en tout cas. Au moins, ça tue plus vite les ennemis. On va appeler Ashley. Vas-y, viens Ashley. Il n'y a plus rien à craindre. Tous les ennemis sont morts. Bon, les grenades, on va pas les utiliser maintenant. Parce que dans mes souvenirs... Oui, j'ai encore de bons souvenirs, normalement. La zone qui est après va être très hard. Des munitions de pistolet. Bon, bah c'est bien, on en retrouve au moins. Bon, les tonneaux ici. De l'argent... Il n'y a pas une plante quelque part? Ah, si. Hop, on va l'utiliser direct. Voilà. Mission de fusée à pompe, de l'argent, donc on va aller à l'étage. Vas-y, viens Ashley. Ici, des munitions de pistolet encore. Bon, au moins on n'est pas à court de munitions. Et on va partir parce que j'aime pas trop cette zone. Bon alors toi.
Allez, meurs. Voilà. Non, mais... Fais pas tomber, Léon. C'est un peu... N'importe quoi. Rattraper. Ah là là. On est galant, en tout cas. Ici. Ici, encore des tonneaux. C'est bien, en tout cas, on refait le plein. Heureusement que les objets sont réapparus. Et du coup, la caisse. Y'a rien. Et on va éviter les pièges. Ce sera un peu dommage. Ashley évite les pièges. Et on va passer cette porte. Au moins ça a quelque chose, Ashley, en tout cas. Pour le moment ça va, elle est pas trop gênante. Merci ma petite. Mais c'est par la suite. Par la suite, elle était vraiment chiante. J'ai juste un petit peu checker mon inventaire. Ouais, ok. Ok, ça va, c'est pas dégueu. On va recharger ça. On va reprendre le pistolet. Et je pense qu'on utilisera les grenades un petit peu parce que là... Ah, un marchand. Welcome. T'as rien d'autre? What are you buying? What are you buying? Non, ok. Come back anytime. Bon, ben... Attendez. Là-bas, il y a un autre marchand. Il est là. Et il est là-bas. Avec la flamme bleue, on le reconnaît. Ok, bon. Normal, normal, normal. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Ah non, ça c'est pas cool. Bizarrement, je m'en doutais. Bon, bon bah, on continue, on n'a pas le choix. Say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin! Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Oui, alors là, c'est pas cool. Oh là, ça, on va prendre ça tout de suite. Oh non! Allez, on va pousser. On va se barricader quand même. Là, on va pousser aussi. Ah ouais, en fait, il a un peu trop poussé. Là aussi, on va pousser. Hop, j'ai vu qu'il y a une plante comme ça. Ah ouais, mais il manquera une plante. Attendez. Moment de préparation. Voilà. Hop, comme ça. On va prendre les munitions. Et bah on attend. Ou on commence. On attend.
ça commencer. You okay? Use this. Ok, attendez, il y a un peu beaucoup d'ennemis là, on va utiliser les grenades. On va se faire un petit plaisir, on en a 4. Ah, des munitions de pistolet. Non, pas là. Attendez. Qu'est-ce qu'on va l'utiliser? Non, mais ici, il y en a. Détrage de ti. Oh non. Je fais n'importe quoi. Alors déjà, on va se soigner. On va prendre plutôt le fusil à pompe. On va utiliser la grenade après. Leon, are you okay? Bon. On va monter en haut, je préfère. Ok, 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 on va utiliser des grenades, on va utiliser des grenades. Hop, ça, c'est fait. On va aller à l'étage. Un peu n'importe quoi. Oh, 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 il commence à monter en haut. On va reprendre le fusil à pompe. Non mais, attends, pas maintenant. On va utiliser une grenade incendiaire. Oui, il y avait une grenade comme ça. Hop. On va utiliser un peu la TMP. Attendez, attendez, attendez. Là-bas, il y a une grenade. On va prendre. Hop, lui, il tombe. Oh là là là. On va prendre la grenade à Sanjay. Oh là 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 là, attendez, 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 attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va réutiliser une grenade comme ça. Des munitions, on prend l'argent. Oh là bas, attendez, il y a des munitions. On va se refaire un peu le plein. Là ici on fait tomber. Hop. Je repense à faire ça. On fait tomber. Oh oh, alors lui, il est pas en bonne posture, comment il s'appelle? J'ai oublié. Louis, on va aider Louis. Attendez, mais il y a un mec à côté de moi alors. Ah non! Il est sérieux là? Oh oh. Oh 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 oh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, ça allait one shot. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Fusil à pompe. On va se soigner quand même parce que là, c'est un peu dur. Plus de soin. Merci Louis. Donne-moi des munitions. Alors munitions TMP. Ah ah. Munitions pistolet, ok. Ah non mais pas maintenant. Je vais changer un petit peu au mauvais moment. Non.
On va prendre le pistolet. Non mais sérieux. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Bon. La cinématique arrive au bon moment parce que là, j'étais un petit peu en train de mourir. D'ailleurs, j'espère que quand je vais, quand on va reprendre après la sauvegarde, j'espère que je vais pas mourir. Ça serait un peu bête, ça serait un peu bizarre aussi. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fera un bon petit épisode, une petite demi-heure. Ça va. Au moins j'ai utilisé mes grenades, mais par contre, waouh, en termes de vie, j'ai vraiment plus de soins. Je sais pas comment je vais faire. J'espère qu'on aura du soin par la suite parce que là c'est vraiment pas possible. Je suis vraiment à deux doigts de mourir. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à laisser un petit pouce bleu hein, et un commentaire. Et donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 9. Allez, ciao tout le monde.